Et bien sûr tout le monde, c'est vrai que je dis pour le chapitre 21 de NCT 4 Hatif End, le gardien de mon frère, toujours en mode extrême et toujours à 100%, malgré le fait que chapitre 20 j'ai raté deux trésors. Mais bon, ça va, donc pour celui-ci, ça va beaucoup mieux se passer car celui-là je les connais un peu mieux que l'autre chapitre. Du coup, c'est parti. Allons chercher Sam et le sauver avant qu'il se fasse tuer par Raif. Allez, c'est parti. Alors du coup ça va être un chapitre calme, enfin, parce que j'en avais un peu marre de rager et me faire tuer tout le temps. Croyez-moi, ça commençait vraiment à me peser. Bah allez, c'est parti. Hop. Allez, c'est parti. Hop là. On retrouve la C'est trace. quoi ça? Des traces de pas. Sam! Ah, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il est déjà loin maintenant. Alors, je me pose une question. Est-ce que... Ah non, d'accord. Non, il a dû monter d'en haut. Ouais, il a dû arriver d'en haut, peut-être. Donc, du coup, arrivé ici, avant d'aller tout droit, c'est qu'il nous insinue beaucoup à y aller. On va là-bas. Et hop, pour un trésor. Oiseau vernis mogol. Du coup, c'est la suite. Oula, oula. Oulala. Bouteille de parfum mogol. Ah, c'était le cinquième trésor que j'ai dû rater à la fin du chapitre. Ouais, parce que je crois qu'il y en avait 5, ouais. Donc du coup, ouais, on est maintenant 3, malheureusement. Du coup, c'est pas grave, écoutez. Alors en fait, celui que j'ai raté, en gros... Alors j'ai raté alors celui-là, la bouteille à parfum, alors, qui est ici. Le vase à bec peint, je crois que je l'ai récupéré. Le vase de jade, je l'ai pas récupéré. Et c'est le pendentif en fleur de jade que j'ai pas récupéré. Voilà, c'est juste ça. Allez, on continue. Allez. Aller vers cette montagne flippante, sauver Sam et me tirer d'ici. Et ouais, demain, on ira bien de tout ça. S'il y a un demain. C'est le gars, il voit le malheur à chaque fois. Allez, hop. Hop, 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 hop. Et moi, je le savais depuis le début que Et c'était... voilà, la piste reprend. Qu'il faille qu'un de ces quatre on irait Sam dans est cette mort. montagne. Je savais qu'on Mais lui, irait. par où il est parti? Je le savais. Alors, attention. Attention. Hop là. Nickel. Et c'est parti. N'empêche, faut voir les tripes, n'empêche, faut faire ça. D'autres traces. Bon, tu t'es pas encore écrasé comme une merde. Déjà ça, j'ai encore une chance de te buter. Buter ton frère à ce point-là, quand même. Bon, c'est vrai quand même qu'il a fait une sale crasse, quand même. Mais bon. Allez, on lâche tout par ici. Hop là, on saute. On se décolle. Waouh, les paysages sont super dans ce jeu par contre. Remarquez quand même que j'ai l'impression en fait que les développeurs n'ont pas assez... n'ont pas prévu en fait le fait que ce soit aussi difficile en extrême en fait. Parce que regardez comme le personnage galérait. Genre quand j'appuie sur rond, en fait il se mettait pas cou genre il roulait pas en fait, il se mettait à couvert et c'est un peu le cas parfois dans le multijoueur. Mais bon, c'est pas très agréable, mais c'est chiant quand t'es en extrême quoi, genre t'es en train de crever, tu veux qu'il roule, le personnage au final non, il roule pas, il se met à C'est quoi couvert. Oh, alors là c'est intéressant ça. Oh, c'est le petit-fils de Burns. 14 avril 1808. Même si j'ai réussi à retirer la balle que Yaze a logée dans ma cuisse, ma plaie suppure et ma fièvre ne se calme pas. J'ai hâte de savoir ce que renferme la montagne, mais la douleur est par trop insupportable et je dois me reposer et reprendre des forces.
À chaque moment de répit, le doute s'empare de moi. Ai-je eu tort de punir les hommes pour n'avoir pas honoré leur contrat envers moi? J'ai consacré ma vie à retrouver ce lieu, à trouver le trésor d'Avery et leur action ont failli me priver de ma destinée. Non, mes décisions ont été justifiées. Ce soir, je me repose. La fièvre va tomber. Et demain, je finirai le voyage de mon grand-père. Ensuite, à mon retour au pays, j'écrirai mes exploits, un livre de Jonathan Burns qui figurera dans la bibliothèque aux côtés des histoires des plus grands aventuriers. Au pire des cas, je perdrai cette jambe. Mais au bout du compte, j'aurai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Et Claire sera fière de moi. Enfin, Claire. Pardonne-moi. Vraiment échoué de peu, l'ami. Tu avais presque atteint la ligne d'arrivée, mais tu t'es fait battre. Eh ouais, malheureusement. Donc du coup, on a retrouvé le petit-fils de Jonathan Burns qui a, on va dire, entre guillemets, décimé son équipage dans chapitre 12. Et dans chapitre 13 aussi, qu'on le revoit encore. Et Yael, c'était son commandant second. Encore des traces. Du coup, triste histoire, triste histoire. De toute façon, en général, l'histoire du pirate, elles finissent toujours mal. Généralement, j'ai dit. À part si on regarde Pirates des Caraïbes. Ouf. Je vois. La vache. Non, du coup, si on passe par là, ça va pareil. On continue. Faut y aller. C'est bon. Allez, on descend. Hop là. Ok, du coup, prochain trésor qui est juste en face de nous. Voilà, oh, tortue. Vase de pierre. J'allais dire vase en pierre, mais non, de pierre. Allez, on va devoir quand tu dis de python. Hop. Et voilà. Bon, on va faire le grand saut. Ah putain, c'est plus dur que ce que je croyais. Merde! Je suis trompé. Je voulais faire l'avant, mais au final il allait par la gauche. Bon, bah écoutez, l'envie de suicide. Allez, parfait. La vache. Je sais pas comment on va mettre à réussir, ouais. Alors du coup, je suis en train de regarder un truc. Ouais, ok, c'est bon. Allez, on continue. Hop là. Et hop. Waouh, le fancy. Alors avant d'aller vers les trucs de... où on peut mettre Python, allez en face ici là. Hop, on va ici, car on va trouver un trésor qui va nous rappeler quelques souvenirs. Un fruit étrange.
Bien entendu, c'est la référence à Crash Bandicoot, les Free Wumpa qu'on peut récupérer qui nous donnent des vies. Donc, du coup, voilà. Du coup, on aura vu les trois jeux de Naughty Dog, c'est-à-dire Last of Us, Jack and Daxter et Crash Bandicoot. Ouf. Hop. On va descendre. Hop là, par là. Et hop, on y est. Le bateau est gigantesque. Et je parie que tout le trésor est encore à l'intérieur. Boing. T'as toujours chaud. Allez, on continue. Ouais, toboggan. Non, 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 putain. Et généralement, je me foire tout le temps dans ce passage-là. Tout le temps. Bon, on l'a refait. Ok. Ok, nickel, ok. On est allé sous l'eau, mais on va ici, on va choper le dernier trésor de ce chapitre. Oui, on est déjà au dernier, oui, c'était assez rapide. Hop. Boîte du Rachtan. Du coup, on finit ce chapitre et le dernier trésor sera dans le dernier chapitre. C'est cool, non? Allez, on continue. Allez, c'est parti, on plonge. C'est le tout dernier, madame. Bien. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avry. Qu'il y aille. On arrête. On arrête? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire, là, juste sous votre nez. Votre pirate chéri a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. Pas étonnant que vos hommes vous aient laissé tomber. Je vous demande pardon. On est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir avec les miettes que Sam va vous laisser. S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il l'aura mérité, ce butin. J'en dirai pas autant de vous. Ça suffit. Soit on reste là, à s'insulter toute la journée, soit on va terminer ce qu'on a... On n'a qu'à en finir pour de bon. Désolé, madame. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre. Au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble? Ou est-ce qu'on y met un point final maintenant? Allons écrire l'histoire. Je préfère ça. Après vous.
Tu m'étonnes qu'elle a les boules. Qu'elle a les boules. Allez, on va les rejoindre. Et on y est. Voyons ce que t'as en magasin pour nous, capitaine Avery. Et bien le magasin, on le verra. Ah, dans le prochain chapitre, eh oui, on fait comme ça. On fait chapitre par chapitre. Je suis désolé, mais on fait ça comme ça. Du coup, on s'est fait vraiment entuber comme il fallait. On va dire comme ça. Et franchement, on peut dire que Ray, c'est un sacré enfoiré. Mais c'est un bon méchant. C'est un bon méchant, pap. Mais moi, son préféré pour l'instant, ce n'est pas Ray pour l'instant. J'en ai un autre, mais je vous dirai ça à la fin du jeu. Et je ferai un sondage juste à la fin. À son prochain chapitre, du coup, que je vais enchaîner tout de suite. Donc, du coup, j'espère que ce chapitre vous a plu, malgré mes deux morts stupides. Deux ou trois, je crois qu'il y en a eu deux ou trois. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Ça vous a un agréable moment, ma compagnie. Un gros pouce bleu et à vous abonner, grand plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un avis en dessous de la vidéo dans la barre commentaire. Aussi à partager à tes cousins, tes parrains, qui tu veux. Sur ce. C'est super. À tout de suite quand les deux épisodes vont sortir ou alors à la prochaine pour qui suivront le let's play. S'ils ont des temps, par exemple une semaine d'épisode, une semaine d'épisode. Bref, je gare sur ce, tout le monde.